Antana, la puissance. C'est ça, on en met un peu de puissance, dès qu'on avance, on peut la diminuer un tout petit peu. On se met bien en position et puis on va attendre que lui il dégage ou Pierre décolle. Voilà, et là on essaie de s'arrêter la roue droite, il peut prendre le nez dans l'axe. On avance un tout petit peu, voilà, super. T'as la main sur la puissance? Alors la main de la puissance, on va la garder tout le temps. Tant qu'on n'est pas en sécurité. La main sur le manche, t'es prêt? Allez, on descend les pieds, on fait plus et on accélère. On a les pieds sur les pédales par exemple. Hein. Le trafic de Moscou, c'est qu'au golf moment, position 1, décollage immédiat. Allez, on met plein gaz. Plein gaz, plein gaz. Et puis, vas-y, mets tout. Vas-y, voilà. Garde la main sur la puissance. On garde l'axe tranquillement. L'indication de vitesse fonctionne. C'est bon? Oui. Allez, on tire doucement le nez. Tire doucement. Et voilà, super. Parfait ça, alors ça, on peut garder cette assiette là, c'est très bien ça. Casse-couche, Zulu qui est la ferra, pile 5 centimes, verticale, repentilé, en direction S, on va charger 126 points. On va monter tranquillement là, et puis après on va aller de l'autre côté pour partir sur Mirabel. On est en base 1-1. Pour le trafic de Mascouche, éco-gouvernement, montée initiale 400 pieds. On va garder l'axe 1000 pieds et ensuite sortir du circuit par la droite pour la Mirabel. Alors là, qu'est-ce qui nous intéresse nous? Alors j'ai mis des volets exprès pour ralentir, pour laisser la place à tout le monde. Hein. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est l'axe de piste. La note vitesse. Et là on va venir poser. Canadair 706 à la zone d'essai via la route du plan de vol. Départ piste 2-4 sur le Mirabel 6 départ. FG-code 4542. Et n'a pas décollé pour avoir d'avoir reçu la validation de départ. Et attendez pour... D'accord, est bien installé. Parfait. C'est ça que je voulais voir. Donc nous on va... Vas-y, garde le manuel branche. Garde aussi la main sur la puissance. Voilà. Et puis tu vas voir, la piste va changer de forme. À partir de là, on va pouvoir. Excuse Charlie, Whiskey confirmé sur la remontée maintenant. Excuse Charlie, Whiskey affirmatif. Roger, le trafic derrière vous coûte là. Alors là, on est sûr de planer. On est sûr de planer là. On réduit le moteur. Tire le moteur, voilà. Tire tôt. La piste change de forme. Allez, on tire doucement le manche. On fait planer le plus longtemps possible. Encore un petit peu. Tire. On monte les volets. Juste par hasard, on a un on avion de la compagnie, mais qui est enregistré américaine, November 5. On met plein gaz. Echo Alpha, selon le plan. Ouais, vas-y, on roule. Vas-y. Et l'appareil dont vous parlez, en principe, devait décoller aux alentours de 1700. Tout va bien. C'est un vol de Eagle Flight. Pas trop d'inclinaison. Mais étant donné que c'est un client qui est à bord, on voulait leur donner priorité. Je vois juste vérifier. Là, je vois le manche. Super. Parfait. Tu peux le reprendre, tout ça. On va mettre tous les volets maintenant. Vas-y, baisse les volets au complet. Voilà. Alors ton nez va vouloir monter. Alors pousse un petit peu sur ton nez. Voilà, je vais t'aider en trimant un peu ton avion. Voilà. On devrait être bien. Regarde, 75, garde une main sur la puissance maintenant. Parfait ça, regarde. Ton avion est super bien réglé là. Tout ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser le 1 là, toi, on est dans l'axe, super. Quand on sera au-dessus de la piste, on réduira le moteur. Toi, à peu près là, par exemple, on peut réduire. La piste change de forme, tire doucement, réduit le moteur, réduit, en autant. Voilà, on va vers la piste, tire un peu le nez. Voilà, maintiens ça comme ça, tire encore un peu. Youhou! Ouais, c'est bon ça. Oh. Voilà, tranquillement, on va y aller. Permettre la clim en route. Regarde, hop. Trafic de Moscou chez l'hélicoptère 22 Golf. Eh, c'est bon Jean-François. Pour du travail aérien entre 1000.